Le sable brûlant des chemins de Galilée déferle et se répand sur les dalles du prétoire. L'accusé marche, lentement. La foule a sorti ses griffes. Elle s'est massée tout entière à cet endroit, sachant bien qu'elle recevrait satisfaction pour une fois. Et toi, tu viens mettre les pieds dans le plat. Tu sèmes le trouble, la révolte, la panique. Voilà ce que tu fais. Ce qui est certain, c'est que tu vas mourir tout à l'heure et que nous serons enfin tranquilles. Faites comme moi. Voler, tuer, pas de cadeau, pas de pitié. Et vous ferez partie des grands de ce monde. C'est Barabbas qui vous le dit. Dans une ville comme celle-ci, on supporte les innocents, à la rigueur, à condition qu'ils la bouclent. Marie-Madeleine, je savais que j'allais te trouver ici, toi. Je savais que tu viendrais souffrir. Barabbas, je t'en prie, tu as la voix forte. Dis-leur que c'est impossible, qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont tous les droits, Marie-Madeleine. Tu le sais bien. Tu les connais. Lui seul a bien voulu me regarder comme on regarde une femme et me caresser les cheveux. Alors que tous ces pourceaux, déguisés en agneaux de la Pâque, se préparaient à me lapider comme une chienne. Ma vie ne s'est prêtée qu'à l'amour. Et quel amour ? Celui que l'on fait sans parler, rapidement, parce que l'homme est un animal parmi tant d'autres. J'ai passé ma vie tout entière sur des lits plus ou moins propres. Et je donnais leur part aux animaux qui venaient me la réclamer, en échange de quelques pièces dont je n'avais rien à faire et qui m'alourdissaient le cœur. Pauvre bête que je suis, avec mes cicatrices au cœur. Jésus m'a regardé, Barabbas. Ses yeux sont extraordinaires. Et les quelques mots qu'il a prononcés en me regardant, rien ne les fera plus jamais sortir de ma tête. Regardez, regardez, vous tous, troupeaux, regardez cet homme à qui l'on colle une proie qu'un bœuf ne pourrait pas porter. Regardez cette carcasse qui vacille, le buste affléchi d'un coup. Il n'avancera pas. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours sans doute. Hier soir, je l'aperçus là-haut. Sous les oliviers de Gethsémani. Il priait à voix haute et depuis, sa voix ne me quitte plus. L'homme qui porte sa mort et qui la sent si proche, pressent-il ce qui se passe pour sa mère et pour elle seule? Comment pourrait-il se douter, lui, qu'il vient de faire un reculon la route. Et la mère appréhende à nouveau les affres de l'enfantement. La douleur est monstrueuse, oui, mais il faut en passer par là. Après, viendra peut-être le même soulagement. Il n'y a plus d'autre recours. Le condamné n'a pas remué, écrasé au sol. La croix pesant sur lui. Dis-le toi, c'est pas le moment de te reposer, hein? Si personne ne le ramasse, il restera là. Ça se voit du premier coup d'œil. Ses amis n'ont qu'à le relever. C'est tout de même pas moi de le faire. Non, ne l'approchez pas. Ne la soutenez pas. Sa douleur est à elle, pour elle. Aucun de vous n'a le droit d'en prendre sa part.
La peine de mort est une bonne chose. Je suis pour la peine de mort. Les juges ne sont pas des imbéciles. Dites-vous bien cela. S'ils rendent un verdict, c'est en connaissance de cause. Ceux qui ergotent, qui discutent, qui protestent, on les connaît. Ce sont des agitateurs, des anarchistes, des communistes. On n'a jamais exécuté d'innocents. Ce n'est pas vrai. Je suis un honnête homme et je sais ce que je dis. Cet instant, simplement, prendre ma part d'angoisse. Écoutez ce bruit des marteaux qui enfonce les clous. Écoutez ce bruit des marteaux qui enfonce les clous, qui écrasent les doigts, qui font éclater les mains. Ce bruit de marteau qui résonne ce soir au sommet du Golgotha, rien ne pourra plus l'effacer de vos mémoires, de vos vies. Ces marteaux qui écrasent, qui s'abattent au rythme régulier du bras des bourreaux, vous les entendez taper, taper, taper jusqu'à vos derniers jours. Ils reviendront, ils vous réveilleront, ils reviendront, ils vous réveilleront. La vie, la joie que l'on s'efforce à tout instant de revenir à demain vous échappera, car vous aurez dorénavant les mains percées. Oui, vous aussi. Si vos maisons ne sont pas trop éloignées, rentrez chez vous. Fermez les portes et les fenêtres. Il paraît que tous ceux que le vent de la mort a touchés seront projetés sur le sol, balayés comme des statues renversées, et qu'ensuite, ils se relèveront, le corps agité de tremblements, les yeux retournés dans la tête.